Si des fêtes si la usa et on font si parler avec quelqu'un nous on va pour capable et toucher quelques points par rapport avec ça qu'on passe là et mes chers amis je dis on va font si parler avec nous sur quelques éléments
juste pour être capable d'ouvrir chez nous davantage sur quelques points que normalement que nous jugeons nécessaire pour compréhension nous et you know and et peut-être que en pilant nous il y a des difficultés pour nous capables de comprendre. Bon, avant de commencer, on va toucher un petit point. On va essayer de toucher un petit point très important. Et petit point ça peut-être c'est lui même qui va le permettre nous avoir une idée. Nous avoir une idée de position. Alors en pilant nous peut-être je souhaite nouvelle fête, je souhaite événement fête. Mais en réalité, on n'a plus de problème qui fait payer à cause de ça. Parce que en réalité, nous toujours, on a profité, on a menti. Et puisque on a pour, on a profité, on a menti. Vous comprenez? Il y a des bails, nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous refusons de comprendre. Bon, fais-nous un petit point. Je vais râler un petit point ça pour nous. Et je vais laisser râler pour nous, pour nous comprendre. Pour nous carrer. Et espérer nous avons compréhension. Nous devons cultiver une compréhension de ça, je vais dire là. Et pour moun ki pa konn li anglais, mam li pou nou. Et ça, si nous gardons, nous allons aller sur le website, US Department, US Department of State. Et puis, ça directement sorti dans la page là, mais pour vous dire, nous allons ça. Nous allons marquer US Dominican Republic Relations. Mes chers amis, moi le faire un petit point ça avec nous tout petit pour nous commencer à comprendre dans le contexte historique. L'idée de United States establish diplomatic relations with the Dominican Republic in 1884. In 1884. En plein monde pas comprendre ça moi le dire là. Marque date ça bien, écrit en bas, ça pour moi. Etin, Erin, Erifo. Attendez. Etin, Erifo. Et maintenant. Il a rétabli la relation diplomatique. Il y a eu fort. Gabriel Moni va demander, mais, what happened? Pour qui raison c'est Erin Erifo? 40 ans plus tard. Pour comprendre pour qui raison c'est 40 ans, il y a un autre bagage qui nous a nous connaît. You know, Erin Erifo. Il y a un autre bagage qui besoin nous connaît d'abord. Pour montrer nous l'avant. Ok? On va le comprendre. On va le comprendre. Mais peut-être. Peut-être. En pile dans nous. Et pas fin comprendre. Pour quelle raison? On va le dire ça, on va le dire là. Et peut-être, bon,
On va comprendre toutes les difficultés. En pile, là, nous parlons. Pas rien pour comprendre. Ça me va dire là. Si nous remarquons bien, la République dominicaine prend l'indépendance de Haïti en 1844. La France t'a aidé. République dominicaine prend l'indépendance de. Nous comprenons le game là. C'est les grands piles dans nous peut-être qui. Bah, on ne sait si c'est pas manque d'insouciance. Ou bien peut-être c'est l'esprit nous fait, I don't know, for some reason. Nous choisis acte comme ça, ou bien nous choisis comporter nous comme ça. Bon. Ou bien si, capable de dire, c'est l'esprit nous fait. Ou bien nous choisis. En dépit des circonstances, je comprends que c'est où nous avons des problèmes, pas nous. Mais on connaît nous avons une grande part de responsabilité. Nous avons une grande part de responsabilité. Si nous remarquons, 1884, États-Unis rétablit relations diplomatiques avec la République dominicaine. Pour moi qui va connait, 1884, ça fait déjà 4 années, depuis Milat Asiou Libanais débarqué en République Dominicaine. Milat Asiou Libanais commence à débarquer dans le Caraïbe blanc, dans l'Amérique latine, là, aux alentours de 1800. C'est-à-dire 1800. Début 19e siècle. T'en as bien, ça va me dire. 1880, Milat Asiou Libanais, pays arabe, envahi Amérique latine, Haïti, et Amérique centrale, et aussi Caraïbes, y compris République dominicaine et Haïti. Maintenant, t'as bien, oui. Pour moun qui va prêter attention, moun qui va vraiment prêter attention, nous allons voir un bagage qui va le passer. Y a un bagage qui est important, c'est que les moun sa ont débarqué, États-Unis pour co intervenu. Dans l'Amérique latine, non. Occupation américaine, vous le fait. Maintenant, nous pas remarquer, depuis les monsieur ça au finandri, et pas un gros problème qui a passé dans les pays, qui est américain, voilà, voilà. Si nous remarquons, américain reconnaît, établit relations diplomatiques avec la République dominicaine en 1884. Syrien, libanais, atterrit en République dominicaine en 1880, 4 ans plus tôt. OK. En 1916, États-Unis envahit la République dominicaine. En 1916.
Poser cette question, est-ce que c'est une coïncidence? Tu me redis ça, tu me redis encore pour nous. En 1880, si au Libanais entrer en République dominicaine. Nous connaissons Mounzao, c'est commerce. Il y aurait mes faits. Ok? Attendez. Et puis, quatre ans plus tard, si au Libanais au final en 1880, quatre ans plus tard, en 1884, États-Unis établit relations diplomatiques avec la République dominicaine. En 1884. Mes amis, attendez bien à dire là. Quand on va dire au prof là, qui ça, ça vient pour vous? Entendez? En suivre. Maintenant, relation diplomatique établie en 1884. De 1884 à 1916, 1884 à 1916, à peu près 30 ans plus tard, États-Unis envahit la République dominicaine. Pour faire qui rapport ça gagne. Aussi, intelligence, c'est un bagage qui pote ou à chercher lien. À chercher lien. À chercher lien. Maintenant, on nous reformule même calcul là pour Haïti. Attendez, on reformule même calcul là pour Haïti. Attendez bien, nous pas attendre, nous pas en garder pas Haïti avant nous. En garder pas Haïti. En garder. Et grand pile dans nous qui on connaît nous anti gens. Bon, nous toujours battre pour nous jouer. Pour nous jouer mettre dame. On pas jouer mettre dame net aller. Elle fait yo là, donne yo là. Et là, je vais mettre dame trop. Là, je vais mettre dame trop. Les vins là, on en courir. Parce qu'on vient développer ça, il y a une sorte de ruse. Tendez bien. États-Unis, nous prenons indépendance, nous. En 1804, États-Unis établit officiellement relations diplomatiques avec Haïti en 1862. Dis-moi combien de temps après nous prenons l'indépendance. Nous prenons l'indépendance en 1804. États-Unis établit relations diplomatiques avec Haïti en 1862. Dis-moi combien de temps? Mathématicien, vous connaissez? Mais qui faut dans mathématiques? Dis-moi combien de temps ça fait? 58 ans.
Attendez, 58 ans. République Dominicaine prend indépendance li nan men Haïti en 1844. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. En 1884, États-Unis établit relations diplomatiques avec la République Dominicaine. 40 ans plus tard. T'entends bien? Guess what? Deux pays, ça, recevoir Siro Libanais en dedans pays, ça, en 1880. 1880, Libanais, Syriens, Égyptiens, Arabes entrés dans deux pays, en République Dominicaine et en Haïti. En 1880, vous commencez à entrer. 1880. Attendez. Pour moun ki bezwen, pour moun ki vle comprendre. Maintenant, qui s'est passé? Les on fin entre dans deux pays ça. États-Unis fin établi relation diplomatique li d'abord avec Haïti. Haïti dominé par le commerce européen. République Dominicaine prend indépendance en 1804, non mais Haïti. Tenez bien. L'Espagne dominait relation économique entre Haïti, entre Saint-Domingue et l'Espagne. Maintenant, en 1880, si au Libanais pour l'envahir des pays à Haïti avec République Dominicaine. T'as bien. Économie. Deux pays, ça. T'es dominé par l'Europe. Économie de pays. C'est l'Europe. Maintenant, en 1880, si au Liban est envahi, deux pays, ça. Entrez dans deux pays, ça. Automatiquement, États-Unis, courir établir relations diplomatiques li en 4 ans plus tard avec la République Dominicaine. En 1916, crise, guerre civile en République Dominicaine. T'en es-moi? Guerre civile pété en République Dominicaine. États-Unis intervenir, occuper République Dominicaine. En 1916. Qu'on y a là? Dis-moi qui l'est. États-Unis envahit Haïti. Mettez date États-Unis envahit Haïti. Nous allons m'éveiller. Pour moun qui dit que yo maîtrisez la réalité pays d'Haïti. Qui date États-Unis envahit l'occupation américaine en Haïti? Qu'est-ce qui a dit une date l'occupation américaine? 1915. Merci. 1915. États-Unis envahit Haïti en 1915. Un an plus tard, 1916, les envahis voisins qui c'est République Dominicaine. Maintenant, vous allez dire, prof là, pour qui raison l'envahis voisins? Son stratégie militaire liée. Son stratégie. Parce que normalement, si l'envahit République Haïti, il va quitter République Dominicaine. Ça va envahir. Parce que Haïtien qui doit repousser dans République Dominicaine et puis faire résistance contre l'occupation américaine. Américain mettait botte dans tous les deux pays. Il mettait botte ni en Haïti. Il mettait botte ni
en République dominicaine. De quoi pour les péchés, yo, mettre tête ensemble. De quoi pour le kakimbe, yo, séparer, diviser. Parce que si Américain envahit Haïti, en 1915, il quitte la République dominicaine, sans que le pas envahit, il représente un gouris lié, pour lui. Rébellion qui doit planifier en République dominicaine. Résistance qui doit planifier en République dominicaine, et puis pour contrecarrer l'occupation américaine. Et deux pays sérieux, t'as pas le droit de nécessité, en quelque sorte, pour mettre tête ensemble contre l'occupation américaine. Mais t'attendais bien, ça m'a dit, à la base, il y a plus de monde qui toujours fait tête chaud en matière de relations, pays sérieux, vous comprenez? Première préoccupation américaine des gains qui fait envahir deux pays sérieux, c'est parce que t'es gagné en première guerre. T'es gagné en guerre en Europe. Guerre, première guerre mondiale. Qui est-ce qui a dit qui la première guerre mondiale a commencé en Europe? Qui est-ce qui a dit qui la première guerre mondiale a commencé en Europe? Ah, mes amis. Quand étudiant qui étudie relations internationales. Mes amis, qui année première guerre mondiale a commencé en Europe? Alright. 1914. Ensuite. 1914. T'as des 1914. Guerre éclatée en Europe. Mais est-ce qu'elle m'a dit nous comme ça que, économie haïtienne à économie République dominicaine a été dominée par les Européens. Comme économie haïtienne à économie dominicaine est dominée par les Européens. L'Espagne, la France, l'Allemagne, tout pays. Les États-Unis pour établir relations diplomatiques avec Haïti en 1862. Haïti qui a fait commerce avec les pays européens depuis 1804. République dominicaine pour l'indépendance en 1844. République dominicaine qui a fait commerce avec l'Espagne, avec les pays européens. Américains viennent reconnaître République dominicaine, rentrer en relation diplomatique avec les États-Unis en 1884. 40 ans plus tard. Pendant 40 ans plus tard, là, et 58 ans plus tard, pour Haïti, 40 ans plus tard, pour la République dominicaine, période ça, yo, c'est période que les pays européens t'ont dominé l'économie République dominicaine et l'économie d'Haïti. En d'autres termes, on est capable de dire, de 1804 à 1884, l'île, y compris pays d'Haïti et République dominicaine, y était dominé par l'Europe, économiquement parlant. C'est l'Europe qui t'a fait, qui t'a gagné contrôle l'économie. Paysan. Maintenant, comprenez bien ce que je dis là, je m'appelle nous au côté là. Maintenant, mes chers amis, l'Europe tombe dans la crise. Première guerre mondiale. Tenez bien. Première guerre mondiale. La première guerre mondiale commencée en 1914. Tenez bien, oui. Première guerre mondiale a commencé en 1914. Piou! Premier bagarre aux États-Unis fait. Il prend avantage de première guerre mondiale là. En Europe. Puisque l'Europe tombe dans la guerre, États-Unis a tout profité pour implémenter doctrine de Monroe dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes et dans l'Amérique centrale. Attendez, écoutez, guys, you, nous devons comprendre ça bien. États-Unis pour profiter de crise de guerre, première guerre mondiale en Europe, pour consolider pouvoir, présence
dans Amérique latine non, avec dans Caraïbes là. 1914 guerre commencé. 1915 États-Unis envahit Haïti. 1916 États-Unis envahit République Dominicaine. Un an plus tard, États-Unis envahit Haïti. Deux ans plus tard, États-Unis envahit République Dominicaine. Maintenant, sous prétexte, il va mettre stabilité. Guess what? États-Unis va imbécile. Premier bagaille, il fait arriver dans deux pays, ça y est. Il prend contrôle douane pays. Il prend contrôle douane. Il prend contrôle finance pays. Il est gogozi. Il prend contrôle douane pays. Il prend contrôle finance pays. Maintenant, on va dire prof là, pour qui raison? Parce que, puisque pays européens ont été dans la guerre, États-Unis pas voulu que les pays européens commencent à perdre la guerre coûte cher pour pays européens à replier sous Haïti avec la République Dominicaine pour être capable de jouer ressources financières pour être capable de financer la guerre en Europe. La guerre menée en Europe là. États-Unis descend, lui mette griffe li sous finance République Dominicaine, sous finance République d'Haïti, sous et douanio, et puis il prend contrôle économie pays a des pays a. Deuxième bagaille fait, il crase l'armée tous les deux pays a. Et puis il mettait gendarme. Il mettait ça nous relé en forme de gendarmerie. Il y a gogo zéro là dit là. D'écraser l'armée de paysans. Haïti avec République Dominicaine et puis il mettait ça relé gendarmerie. La gendarmerie en Haïti. Il réformer à l'image. Ben, il besoin seul leader d'abord. Faut c'est lui même qui se leader en Amérique après pour l'étendre dans le monde là. Il y a plus de monde qui va comprendre comment les États-Unis fait devenir première puissance militaire économique dans le monde là. Et dans le processus là. Mais là. Maintenant, deux pays ça yo, l'administration, l'état de pays ça yo, économie de pays ça yo, finance de pays à eux, douane de pays à eux, États-Unis prend contrôle. Ils formatent eux. Et ils forment l'armée dans deux pays à eux pour servir l'intérêt américain. Ils réforment l'administration pour servir l'intérêt américain. Ils prennent contrôle finance publique pays à eux pour réformer pays à eux. Pendant les Européens, à bataille sous territoire. Pendant les Européens au moment de rage, les Américains ont renforcé présence en Amérique latine, dans les Caraïbes, pour être capable de diminuer l'influence de l'Europe en dedans de la zone. Gokose! Maintenant, il y a un débat qui est important, puis je ne vais pas prêter attention. Il y a fait États-Unis, l'elfine mette l'armée sous pied. L'armée, ça a une forme à image. Nous parlons, États-Unis pour mettre deux dictateurs dans chaque pays. Deux dictateurs, ça y est, pour combattre, pour des missions. Pour combattre communiste après deuxième guerre mondiale. Nous parlons de cause. Deux zèk pour le péter. Deux zèk pour le péter.
Haïti va faire résistance contre l'occupation américaine. Gon vent nationaliste qui va le monter en dedans pays contre les États-Unis. Américain va imposer une constitution en dedans pays d'Haïti avec suc d'artignan. Mais go gozé. Américain va faire même bagaille là. Modèle constitution et République dominicaine n'a été calqué sur modèle constitution américain. Elle a dit, Américain prend deux pays, ça l'île la formé la image. La formé la image. Maintenant, faut nous comprendre bien ce qui passé. La République dominicaine pas d'accord avec occupation, il va faire résistance. Les gogozé. Résistance pour le fait. Rébellion pour le fait. En République dominicaine. Jusqu'à ce que les États-Unis va retirer le colonne pour aller le fin chip. Ou pas le occupation ça. US invasion ça. En République dominicaine. Les mamans vont dire long par rapport avec par Haïti. Les mamans vont dire long. Maintenant, il y a un bagage pour nous prêter attention. Dans quel moment Haïti va ralentir le développement économique? Alors que République dominicaine pour qu'on s'arrête le développement économique. Haïti va l'avancer. Maintenant, vous prêtez attention. À ça, m'a dit là. Vous prêtez attention bien. À m'a dit là. Haïti, t'es un côté que touristes qu'on a venu de temps en temps. Premier pays qui vient avec question touriste. Dans Caraïbes, dans Amérique latine, dans Caraïbes, c'est Haïti. Maintenant, faites attention. Haïti commence à vendre. Peut-être comme touriste. Et si c'est là, voilà, tu vas là. You know. Pas bon massacre qui fait par l'armée républicaine sous des Haïtiens qui t'a vu bon frontière. Qui a vivre en frontière dominicaine. Massacre ça, en quelque sorte, tellement fait toller l'État haïtien pour le petit cob. Non, mais, dédommagement, pour ben, mon yon, bon, d'ailleurs, il y a une famille pas même rivé jeune cob ça. Tellement l'État haïtien est corrompu. Non. Mais pas j'aime des moun. Et ça, c'est trouillé. Faut nous comprendre ça, oui. Et, massacre ça, et que Dominique a dit fait soi ici en 1939. Et c'est un bagaille qui ba en pile problème. Et nous allons remarquer depuis les fin fait ça de péril, yes. Parce que haïtien ou pas de cas prononcer mot péril là. Massacre ça. Massacre ça, 1937, le massacre du Persil. Et parce que bon mot haïtien, on va pas prononcer. Depuis, mot ça, les partenaires amis des pays, là. De vous pas prononcer mot ça, y'a déjà qu'on va dominiquer. Et puis, au massacre, ou à coup de manchette, armes blanches, pour y'a pas connaître si c'est haïtien. Trouillot tué, et massacré, plus passer 3000 haïtiens. But, après ça, on entend des chiffres, on entend des gens qui goûtent tout. Mais, je fais nous comprendre que chiffres, on pipi ti. Bagay ça, yo, but, gen moun qui fait qu'on est li chiffres, ça te dépasse 30 000 haïtiens. Ti moun là dans tout. Femme, ti moun, garçon, you know.
Massacre ça et Dominique et Yuri, El Corte. El Corte. Ça veut dire la coupe, couteau. You know, Trouillo fait massacre ça. Président américain, bah ça a son bagage qui était chargé. Si nous posons cette question, bah le mot de notre bagage. Massacre l'a fait en 1937. 1937. Les États-Unis quittent Haïti. L'armée américaine quitte Haïti. Qui l'est? Mgone nous fort. L'armée américaine quitte Haïti, qui l'est? Qui date l'armée américaine quitte Haïti? Qui l'est Yankee ou qui l'est? En 1934? En 1934, il a quitté l'armée américaine, quitté Haïti. 3 ans plus tard, l'armée dominicaine massacre 30 000 Haïtiens. C'est dans vos yeux d'autres questions. Faites bien notre travail. États-Unis quittent Haïti en 1934. 3 ans plus tard, l'armée dominicaine, sous direction Trujillo, massacrait 30 000 Haïtiens. Maintenant, je vais poser une question. Un peu de monde n'a pas prêté attention à ça, je vais poser une question. Qui est-ce qui va demander pour l'armée, pour Trujillo faire mes frontières avec Haïti? On ne compte pas les autres. Comme si nous voulons que je me connais pour qui raison assassinat ça, massacre ça, Mounzao. Qui côté au travail? Qui côté 30 000 haïtiens au travail? Nous ne pouvons pas venir chiter là, nous quitter ma féco. Je me dis, mais qui côté au travail? Qui côté au travail? Ben, expliquez-nous bien. Les États-Unis ont envahi la République dominicaine. En 1916, États-Unis prend contrôle en pile compagnie sucrière. Américain, dominicain prend contrôle sucre. Production sucre. En République dominicaine. Vous n'allez pas comprendre, vous comprenez toujours, non? Vous comprenez. Pendant l'Europe dans la guerre, 1914, 1915, 1916, États-Unis envahit République dominicaine avec Haïti. Les Américains arrivaient en Haïti avec République dominicaine, ils mettaient griffes sous ça, ils relaient, attendez bien, ça me mal dit. Et usine sucrière qui gagnait en République dominicaine. Il prend contrôle l'eau. Il prend contrôle l'économie République dominicaine. C'est-à-dire production sucre. C'est usine société américaine qui installait l'autre boîte par le fait. Tandem bien!
production sucre pour le prendre contrôle, américain pour le prendre contrôle, ni douane, ni finance, ni l'armée en République dominicaine, ni économie République dominicaine. Tandis bien. En même temps, li prend contrôle Haïti. Premier bagay américain va le faire. T'es gué en constitution, constitution Haïti, yon pas très connaître pour blanc étranger gué au, gué té en Haïti. Premier bagay américain va le faire avec sénateur sud d'Atignav, il va l'écrire en constitution, la constitution de 1918, pour l'imposer en Haïti, côté que, dans la constitution, ça y reconnaît pour étranger, gué droit, gué té en Haïti. Problème qui dit, c'est que nous même dans le pays, ça, nous juste ouais, histoire passée, nous ouais, événement. Mais nous pas connaît, en réalité, qui ça qui caché derrière événement ça. Nous pas connaît, yo. Et ça te caché derrière. Maintenant, situation, exploitation sucrière, là, a fait en République Dominicaine, ok? Mais d'œuvre haïtien en an République Dominicaine a travail. États-Unis mettent la mêle, li réformé en République Dominicaine Haïti, sous pied, pour qu'il contrôle, compagnie sucrière, yo. Eh bien, mes chers amis, faut me dire nous que, en 1937, 3 ans après Américain sorti Haïti, Trujillo, l'armée dominicaine, assassiné, massacré 30 000 Haïtiens. Bon, mon second. 30 000 Haïtiens. Donne-moi un second. Maintenant, pour moi qui pas prêté attention, qui pas fini comprendre en réalité, ça a passé. Pour nous comprendre bien en diplomatie là, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, il est toujours fait. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique vis-à-vis des pays de l'Amérique latine, des Caraïbes, l'est toujours construit en fonction de l'Europe, la Chine et la Russie. Pour comprendre politique étrangère américaine vis-à-vis des pays de pays Caraïbes avec Amérique latine, yo, États-Unis définit politique étrangère li pas vers Haïti, République Dominicaine et Caraïbes en fonction de positionnement l'Europe, la Chine et l'URSS. Elle a dit que premier réflexe, l'Europe essayer comprendre diplomatie américaine, comment elle fonctionnait par rapport avec l'Amérique latine et les Caraïbes, premier bagage où doit qu'on est normal, yo graft politique étrangère américain en fonction de positionnement l'Europe, la Russie et la Chine. Et un gars dit, mais, pour sauver les divas là, ça me fait nous comprendre. Toute sorte, toute intervention politique étrangère, États-Unis fait dans l'Amérique latine, avec Amérique, avec Caraïbes blancs, les fonctions de relations, comment
l'Europe et l'Asie a fonctionné. Si États-Unis gagnent contrôle l'Europe, gagnent contrôle la Russie, gagnent contrôle la Chine, pays d'Amérique latine avec pays dans Caraïbes là, il y a un petit souffle dans mes politiques étrangères américaines. Mais si l'Europe a agité école, la Russie a agité école, l'Asie a agité école tant pour la Chine, pays Amérique latine avec Caraïbes, États-Unis a serré relation politique étrangère vis-à-vis de pays. Nous pouvons comprendre ce que je dis là. Yeah, bon, anyway, fais-moi parler pour gamme ici. T'as semblé nous gueuler beaucoup, j'aime comprendre ce que je dis là. Parce que, on va, m'expliquer en place. Non, un homme, l'eau commence à comprendre, You know. États-Unis pas draft politique étrangère li en Amérique latine nan, ni Caraïbes non comme ça. Politique étrangère américain vis-à-vis de l'Amérique latine et des Caraïbes li fonction. Li fonction de comment l'Europe y est positionnement l'Europe dans le monde là et comment l'Asie y est. Si l'Europe stable, si l'Europe stable, l'Europe pas représenté un danger, que ce soit idéologiquement, que ce soit politiquement, que ce soit militairement, pour le monde là, États-Unis a quitté Amérique latine, a quitté Caraïbes là, bien nice, l'a joué avec nous. Si l'Asie pas représente une menace, un danger pour intérêt américain dans le monde là, États-Unis a joué bon voisinage dans politique étrangère nous avec l'Amérique latine là, avec nous-mêmes. Mais si l'Europe bouleversé. Si l'Europe bouleversé, États-Unis pral mettre une politique étrangère en place, côté que, li pral tient à ce que tout régime politique qui gagne en Amérique latine, non, tout régime politique qui gagne en Caraïbes blanc, yo campé bon côté. Y a fait travail. Et moi, je dis ça, moi, je dis encore. Si l'Europe bouleversé, tête en bas. Ok? Politiquement, idéologiquement, économiquement. Premier réflexe américain. S'il pas intervenu militairement dans le Caraïbes là, militairement dans l'Amérique latine pour protéger l'intérêt, premier, deuxième réflexe lui, ça va le faire. La entrée, la mettre régime politique pâle qui vous protège l'intérêt pour empêcher crise qui passe en Europe là, problème qui vient en Europe, yo, pas poté bourré sur intérêt en Amérique latine là. Avec Caïl là. Premier effet, c'est ça. C'est-à-dire que, depuis l'Europe bouleversée, depuis Amérique là, depuis l'Europe bouleversée, depuis, et l'Asie bouleversée, premier réflexe n'est qu'un draft politique étranger américain vis-à-vis Amérique latine et Caraïbes blanc, réflexe, c'est protéger intérêt en Amérique latine et Caraïbes blanc contre crise. Ça qui gagne en Europe là, et crise ça qui gagne en Amérique là, et en Asie. Première réflexion. Pour qui raison? Maintenant, prof là, pour qui raison? C'est parce que, en réalité, si l'Europe à l'Asie
t'arrivé uni yo, mais tête ensemble contre les États-Unis. États-Unis après l'appuyer li sous l'Amérique latine, sous Haïti, sous Caraïbes pour l'approvisionner li en ressources de quoi pour le cas résister avec l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire, il y a une conception continentale. Si l'Europe t'a uni à l'Asie, États-Unis, pour vivre dans une politique globale de continent, pour ramener tout continent dans la guerre contre l'Europe et l'Asie. Mais attention, mes chers amis, il y a nous penser que les États-Unis, t'as une guerre, t'as foué tête une guerre face à l'Union, à l'Europe et l'Asie, pour nous penser nous-mêmes, nous, en Haïti, n'a pas le bien bamboulé, n'a pas le bien bouché, nous pas le bravo, États-Unis, dans la guerre, et Caraïbes, l'Amérique latine, pour le camper, pour le dire, non, moi-même, moi, pas dans la guerre, wap, qu'on juge. Et que nous, beaucoup comprenons, rien qu'à passer dans la planète, là. Nous pensons que, si l'Europe, avec l'Eurasie, t'as mis tête ensemble, pour attaquer États-Unis, nous pensons que c'est à États-Unis seulement, que l'Europe parle langue, nous fou. Et que nous pouvons comprendre, hein, dans la politique étrangère. Nous pouvons comprendre, hein, dans la politique étrangère. Nous allons nous secret. Premier bagage, États-Unis va le faire. Premier bagage, États-Unis va le faire. Ils va le positionner. Ils va le proposition stratégique. Bon canal Panama. Gros outil. Un. Deuxièmement. Liquider pays ça en vide. De quoi automatiquement pour déployer arsenal en dedans pays ça yo pour résister face avec pays. Nous pas si gon guerre nucléaire. États-Unis va gagner plan stratégique les pour le replier en Amérique latine. Nous pensons si gon guerre nucléaire. Nous pensons c'est celle États-Unis qui a fuck up. Nous pensons États-Unis va gagner plan stratégique les pour le replier en Amérique latine. Nous gagne les penser que et comme ça. La conception américaine de continent américain. C'est ça, oui. Des zones, c'est réservoir lié pour américain. Et c'est une raison qui fait que l'Ipavle, ni aucun pays en Europe, aucun pays en Asie, vient entrer dans le pays Amérique latine ou Caraïbe pour avoir accès à ressources. Maintenant, deuxième question. Pour qui raison nous pensons que les Américains ne veulent pas les pays développer? Amérique latine, avec Caraïbes, ils ne veulent pas développer économiquement. Sous comment se développer économiquement? Ou pas moins les ressources, oui, qui viennent dans le pays. Et là-bas, pourquoi? Qui ça va dire là? Guess what? Américains n'ont pas intérêt pour développer économiquement, non? Du moment qu'on commence à développer économiquement, jamais qu'ils comprennent nous. L'Amérique latine avec Caraïbes, c'est réserve libre, oui. C'est réserve libre. Il va pas qu'ils développer. Parce que, lui connaît géo, lui connaît toutes sortes comme ressources en bateau. Lui connaît ça Dominicani comme ressources. Lui connaît ça Haïti comme ressources. Lui connaît ça toute l'Amérique la gagner comme ressources. Comment est-ce qu'il va qu'ils ont exploité? Elle est monde là, t'as viré tête en bas, non, même. Qui côté, libéral, qui est suffisamment, côté pas d'un approvisionnement. En réfléchir une seconde. Toute matière, américaine besoin, pour le Québec hégémonie, le monde là, gagne dernier crasse en Amérique latine. Gagne dernier crasse dans Caraïbes là. Pétrole, uranium, toute bagaille net, il besoin. Gagne dernier crasse, la net.
Maintenant, on peut attendre autre chose. Mais, prof là, nous pas indépendants, oui. Sortons pas indépendants. Sortons pas indépendants. Oh oui, nous devons indépendance. Pour qui est-ce? Li entre l'affaibli l'armée ou? Li affaibli, li mette l'armée pâle, li affaibli régime politique ou? Li décide qui ça ou doit produire? Li décide qui ça ou doit produire? T'en aimes bien qui ça ou doit produire? Li koun ça l'affaire. Yo pas réfléchi pour tête seulement. Yo réfléchi pour toute l'Amérique latine. Toute Caraïbes latine. Parce que dans n'importe scénario que l'Europe t'a uni avec l'Asie, cacahuète. États-Unis qu'on est qui ça le voulait. Maintenant, pour bien comprendre ça, je me dis voilà. États-Unis qui ça voulait les alliés naturels. Il y a des pays qui sont alliés naturels aux Américains. Par exemple, la Chine, non, par exemple, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, New Zealand. Pays ça yo, ce sont des pays alliés naturels des États-Unis. Yo va on dis depuis Amérique a intervenu dans le monde là, yo va discuter intervention américaine. Pays ça va on discuter intervention américaine. D'ailleurs, positionnement pays ça son bagage tête chargé li. L'Angleterre positionné pour contrôler l'Europe. Pour États-Unis. M'a vu sur Japon. M'a parlé de alliés. L'aime parler de alliés naturels. C'est-à-dire, pays qui gagne lien culturel fort avec États-Unis. C'est-à-dire, les pays anglo-saxons. États-Unis, il y a 4 pays anglo-saxons côté sur eux. Comme alliés naturels. C'est-à-dire, alliés culturellement parlant. Il y a l'Angleterre. Il y a le Canada. Pour quelle raison le Canada? Le Canada joue un rôle déterminant. Joue un rôle déterminant pour protéger États-Unis face avec la Russie dans le nord. Non pas le nord. Et quoi que c'est pas dit nous là? Deuxièmement, l'Angleterre joue un rôle déterminant pour États-Unis. Pour le protéger contre l'Europe. Troisièmement, l'Australie joue un rôle déterminant pour protéger et intérêt américain dans le Pacifique face avec la Chine. Et quatrièmement, mes chers amis, qu'on y a pas parlé de alliés que le gagné qui pas allié naturel. Alliés que le gagné qui pas allié naturel, mais qui ce sont des alliés que le fait par rapport avec des histoires ou bien par rapport avec ces pays tant coup l'Union européenne tant coup l'Allemagne l'Angleterre mais ce sont des anciens ennemis parce que l'Allemagne c'est ancien ennemi en quelque sorte États-Unis Angleterre la France c'est ancien ennemi Angleterre. Ce sont des alliés conjoncturels. Ça dépend. C'est ça fait. Américain par jam. Trust pays ça yo 100. Trust américain pour pays ça yo. C'est 75%. Mais pas 100%. C'est ça fait. Américain toujours make sure que présence li militaire li toujours arrêté en Europe. Américain toujours make sure que présence militaire li à travers l'OTAN toujours arrêté. Sous territoire européen. Il y a un peu de monde qui pense que l'OTAN était c'est pour la Russie. L'OTAN pas seulement était pour la Russie, non? L'OTAN, premier réflexe, l'OTAN, c'est maintenir présence américaine sous territoire, sous continent européen. Premier réflexe. Première mission, l'OTAN, c'est maintenir la présence de militaires américains sous continent. Ça. Européen. Maintenant, ces plus gros outils américains gagnent pour contrôler l'Union européenne. L'OTAN, ces plus gros outils américains gagnent pour contrôler
l'Union européenne. Et la France compte ça. La France connaît ça. La France compte ça, elle fait la France et l'Allemagne. Si vous remarquez bien. Ou après la France gagne militaire. La France gagne armes nucléaires. Ou après l'Allemagne tout lui-même. C'est-à-dire que États-Unis toujours joue sur ça. États-Unis toujours joue sur le fait deuxième guerre mondiale, l'Allemagne première guerre mondiale et puis et menace communiste dans tout pour expliquer présence. C'est deux bagages pour expliquer présence l'OTAN en continent européen. Mais les européens, l'Union européenne pas trop rien mais présence l'OTAN l'autre bois. Et à chaque fois, il y a fait grand paquet de mecs qui pas comprendre les m'a parlé. À chaque fois l'Union européenne a organisé tête li pour le dire États-Unis nous pas besoin l'OTAN. États-Unis créent une crise. Quand t'as des fois m'a dit yo bagaille, yo pas comprendre. Des monde qui pas comprendre que la guerre Poutine a fait là avec Ukraine, c'est un avantage américain. Oh prof là, ça dit là, oui. Au contraire, les pays bon pour Amérique. Au contraire, Amérique plus besoin, guerre ça fait. Un, guerre visé pour affaiblir Poutine. Deux, guerre visé pour renforcer présence américaine à travers l'OTAN dans le continent européen. Hein? Et trois, guerre, mais, y'a que mes Poutine busy, de quoi pour y'a capable de faire la Chine proposition. Et gros bagay, m'a dit là, y'a un monde dans le monde. Oui, yo c'est diplomate, yo c'est stratège. M'a prio. Gen qui te dit comme ça, oui, guess ça pas fini demain si Dieu veut. Guess ça pas durer 3-2 semaines. Ou fou. À nous connait. Nous confond problème qui gagne nèg la étudier en relation internationale, la étudier institution ça yo et puis li confond géopolitique, géostratégie. Li confond bagaza. Ah, comment ça nous comprenne? Ah, nous comprenne. Guerre ça, li tellement d'avantages américains. Balba nous bien pour nous comprendre. Premier bagage américain fait. Pour guerre ça là. Li connaît sur qui terrain. Li mette, li lagué Poutine là. Kembe Poutine busy là. Et Poutine, t'as pas merdé. Ça va mettre des États-Unis avec élément Maduro. Amérique déplace problème. Li mette sous continent sous continent européen. Li maîtrise. Et Maduro. Où est le problème à Maduro? Où est Maduro et touriste la fait? Où est Maduro? C'est touriste la fait dans le monde. Le monde fou, haïtien toujours fait bail sentimental. Toujours fait sentiment, bagaille. Moi, je me prends ça, nous me disons. Yo déplacé, yo bail Poutine en équation pour le résoudre. Pendant yo bail Poutine équation ça, Poutine a réfléchi à comment pour gérer la bataille, à dépenser, ou qu'on a ouvert. Et yo bail imbécile. Y a géré la Chine. Pour yon ka focus sur la Chine. Yon va appeler Poutine, non? Yon va gérer la Chine. Parce que vrai target là. Vrai target américain, c'est la Chine. Et oh, prof là qui sort dit là. prof là qui sort dit là. Vrai target américain, c'est la Chine qui a une ambition. Eurasie. Avec ça, le la route de la soie. Vrai target américain, c'est la Chine. Mais faut qu'on ait la voile là. Faut comprendre bien. Vrai target américain, c'est la Chine. Toute réflexion géopolitique et stratégique américaine, c'est la Chine. Ben, dis on va là. Peut-être un pile moun va comprendre. Gen moun kap bat bravo. Peut-être États-Unis quitte la Chine a investi l'argent
en Afrique. Appel n'est pas qu'au fond dans niveau ça, non? Il n'est pas qu'au fond dans niveau ça. Là, là, là! Ton est boule. Ouais, moi-même! Ouais, moi-même! Là, nous, l'homme dit nous, nous va avoir bon respect. Nous, 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 bon respect. Nous, nous, chercher live, nous, nous, chercher quand comme vous. Américain! Américain! Dit! Pousser Macron, attendez bien. Faut qu'on ait bien. Le processus de décolonisation commencé après Deuxième Guerre mondiale aux alentours des années 60. Pour qui raison? Parce que l'Union européenne était dans le processus de construction. Maintenant, qui réflexe ça? N'a sorti en Afrique, n'a concentré nous sur l'Union européenne, n'a construit un marché commun, et puis ensemble, n'a mis en place des institutions européennes pour nous parler, pour l'Europe qui a parlé tant qu'on seul monde. T'en aimes bien. Qui est-ce qui t'a poussé l'Europe retirer colon en Afrique? États-Unis. États-Unis, pour qui raison, il t'a fait l'Europe retirer colon en Afrique? M'a dit, on va là qui fort. Maintenant, l'Europe a retiré colon en Afrique. C'est pas pour l'Afrique développer. Réflexe à dire. Non. C'est pour te râler la Chine. Vine en Afrique. Mais qui sauve dit là? C'est pour râler l'Afrique vite en Afrique. Parce que l'Afrique, t'es toujours dit, li pas gué ambition colonialiste, li pas gué ambition impérialiste. Ça qu'on est du fait. États-Unis dit, fait l'Union Européenne, comment se retirer quand en Afrique? Et puis, pour y mener, pour la Chine, vine investir, capital, l'argent, tout l'argent l'a fait, vine investir en Afrique. Guess what? Si nous remarquons bien, Américain qu'on ça l'a fait. Pays occident qu'on ça l'a fait bien. Les la Chine vine investir. Parce que dès pour vine investir, l'argent au côté. Faut mettre militaire pour protéger l'investissement. Gogo, je m'a dit nous là. Faut mettre militaire pour protéger investissement. Mais yo a regardé pour yo wè si la Chine a mette militaire pour investir pour protéger investissement. Là nèg yo a su parce que la Chine toujours dit oui, ce pays, li pa jam nan bagay si c'est là et pays douce lié lui-même, li pa investi là. Nèg yo a regardé avec. Nèg yo a su la Chine. Guess what? Les nègres ont gardé à suivre la Chine qui a investi millions en Afrique et qui a mis des présences militaires. Qui sont avancés, les nègres ont fait? Qui sont vos amis, les nègres? Si nous sommes intelligents, qu'on expert en relations internationales, qui dit au fort, nest qui étudie au quoi? Qui sont avancés, les Américains ont fait? Les ont attiré investissements étrangers chinois en dedans continent. Guess what? Il y a deux bagailles américains, il y a deux outils américains à utiliser. Faut qu'on la voit là. Il y a deux outils américains à utiliser. À utiliser américain pour utiliser ça ou les corruption. Hein? Pour joindre ça ou le capital qui a investi en Chine vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le marché américain. Et bon, je vais dire nous là. Oui! Les Américains, la Chine vient avec combien de milliards de dollars? Il va dire rien. Maintenant, les quittés ont investi. Si y a une guerre, la Chine t'a déclaré avec Américains. Premier bagage américain va le faire. C'est côté la Chine qui investissement, il va le porter pied. Il va mettre botte là. Côté la Chine mettre infrastructure, c'est là le problème. Qui côté nous, qui côté d'après nous-mêmes? Qui côté Américain va le. Si
attendez. Bon, t'aimes faut-il parler avec nous pour nous comprendre. Si y'a une guerre conventionnelle entre la Chine qui est États-Unis qui est éclatée, sous qui terrain nous pensons que guerre ça va faire? Sous qui terrain nous pensons que guerre ça va dérouler? Qui est-ce qui va l'exposer à guerre ça? Nous ne les pas comprendre. Hein? Avant pour guerre ça, t'arrivé sous continent américain, t'arrivé sous continent européen, terrain de bataille là, c'est l'Afrique qui va y aller. Qui est-ce qui va le perdre économiquement en termes d'investissement en Afrique? Bon, moi-même, ma maman, est-ce que n'est-ce pas, étudié relations internationales? Moi-même, tellement, que des femmes chites, va regarder n'est-ce pas, m'en est-ce que vraiment étudié? Est-ce que vraiment étudié, vous comprenez cette politique américaine dans le monde-là? Américain pas besoin d'investir en Afrique. Et on paye par les investis en Afrique. Ils ont besoin de contrôle l'Union africaine. That's it. Pour ramasser capital, viennent investir en Europe, viennent investir aux États-Unis. La Chine, déjà, a suffisamment d'investissement la Cali. La Chine tellement gagne l'argent, l'a investi en Afrique. Mais pourquoi on a posé cette question? L'Union africaine yo corrompu. Yo prend l'argent ça, qui côté va tirer l'argent? Qui côté va l'investir? Et ben en Europe, et ben États-Unis, et ben Canada, et ben en Occident voilà avec. Et ben en Occident voilà avec. Mais là va comprendre. Et en Occident voilà avec le capital là. En autre terme, pour Amérique, réflexe américain. T'as fait gon groupe moun qui dit ça. Et, oh! Ou qu'on a ici, c'est bête qui sensationnel. Oh! Et madame n'a pas calé. Pas calé Taïwan. M'dis nous, qu'elle va comprendre ça qu'a fait là. Oh! Ou même, vous pensez qu'on tout bagay. M'dis, oh! Qui cause ça? M'dis, madame. M'dis nous, qu'elle va pas qui est-ce que vous voyez à l'homme de la Chine? Nancy Pelosi. Nous pas qui est-ce que vous voyez? Là, nous posons son bon matin dans s'y levé, et puis il dit le bal Taïwan. Haïtien tellement de monde qui remè, fait tête dit, bye. Oh! La Chine dit, depuis non si paraît tête li, l'a décrasé avion, depuis non si paraît tête li, l'a crasé la paix, oh oui, la Chine qui t'a fait démonstration, Taïwan, dis nous, qu'elle est pas comprenant, elle, qu'elle fait là. Ni nous posons un bon, et pour grand merci. C'est, là, vous qui n'avez pas compris ça qu'a fait. C'est échec qu'a joué sur planète là, dans planète là, échec, et mat, tout ça qu'a joué. Comment déplacer pion, c'est ça qu'a joué là. Ou pas qu'a bon, ou pas qu'a fond dans relation politique, ou pas qu'a fond dans géologie, ou pas qu'on joue échec et maintenant. Bon, pas qu'on joue échec, et pour parler des relations internationales. Ce qu'on est. C'est la guerre froide qui va le faire comprendre l'importance. L'importance échec, oui. On a un nègre, étudié relations internationales. Nègre là-bas même qu'on comment pour le déplacer en pion. Il va même qu'on joue échec et puis, lui veut relations internationales. On a le monde fou. On a le monde fou, oui. Ou ouvert relations internationales et puis on met ton jeu échec devant on va contre qui ou pas même contre qui ça qui on da ou pas contre qui ça qui ou pas contre qui ça qui king ou pas contre comment pour déplacer ouvert relations internationales c'est jeu échec lié qui sont prêts pour perdre qui sont prêts pour gagner en plein temps nous pensons américain l'Occident a perdu en Afrique là vrai coco y aurait les bon imbécile. Il y aurait les sara patrimoine des capitaux pour moun sort yo. Il y aurait les sort ouais États-Unis, l'Occident a fait en Afrique là, il y aurait les sara patrimoine des capitaux. Ça veut dire y a créé un espace pour la Chine poter tête li, pour la Chine ka jwenn espace pour capable vinn mettre l'argent, pile l'argent la Chine gen nan monde yo, capable mettre le poter vini parce que pour qui raison?
Parce que États-Unis pas qu'à envahir la Chine. États-Unis pas qu'à envahir la Chine pour la prendre réserve dollars avec réserve l'or la Chine. Faut créer un vide pour faire une vie de l'argent surplus vini mettre l'argent. Yo créer, yo rapatrier capitaux, yo réorienter capital, yo, OK? Non, yo renforcer même là je ça rapatrier et puis qu'on y a là ce qu'on va faire. Yo créer un vide pour la Chine vin. La Chine même n'a poté bourré. Quand la Chine vient porter bourré. La Chine yo investissement la Chine vient river non point qui est extrêmement fort. Yo va créer crise en Afrique. Ah ouais. Quand investissement arrive fort, la Chine investit en pile l'argent en Afrique, yo va créer crise économique, yo va créer crise politique, crise en Afrique. De quoi pour faire la Chine perdit investissement. Et gros cause moi le banou là. Faut bien étudier la guerre froide pour comprendre ça m'a dit là. Donc bien étudier la guerre froide. Y'a pas besoin. Y'a besoin de contrôle régime là. Depuis qu'il contrôle régime politique, il contrôle l'Union africaine instantio. Yo pas besoin de craser quoi. Parce que c'est instance décisionnelle. Yo juste créer crise. Et puis, qu'on y a là, qui ça va passer? L'Afrique cap doué la Chine. Quand l'Afrique finit épuiser toute l'argent chinois, yo. Qu'on y a la Chine, pour demander l'Afrique, pour l'Afrique payer. Qu'on y a la Chine, l'Afrique pas gon goutte dans le monde. Pour le payer. Qu'on y a qui ça va passer? Amérique est tellement intelligent. Libéral propose des crises en Afrique. Libéral propose des crises en Afrique. Et puis, il va l'occuper l'Afrique. Il va l'envahir. Il va le porter militaire, mettre base militaire, l'autre bas de quoi pour la Chine, pas vini. Et bah, il y a coquin, cap joué. Bah, il y a coquin, cap joué, n'est qui pis coquin. M'propose me retirer comme. M'boto vini. M'propose me retirer comme, retirer capital, moi. Et puis, m'dou vini. Ou même, ou pote bourré. L'homme pote bourré. Ou parce que, qu'on a poté bourré, ou poté, ou investi un paquet d'argent, investi l'argent. Et puis, moi-même, j'en passe pas d'aide, pas d'aide. M'crée crise. Et puis, l'État, il a demandé l'intervention l'ONU, l'intervention américaine, pour venir mettre la paix. Et puis, j'entends dire, l'Américain en bas, débarqué, venir mettre la paix, en continent, oui, continent en crise, venir mettre la paix, lui mettre botte, lui, venir la paix. Et puis, j'entends dire, la Chine va capoter bourré. Qu'on a l'air, la Chine demande l'Afrique, pour l'Afrique remettre l'argent. L'Afrique dit, m'a gon bout nan moun, d'amouen, m'a gagné l'argent, m'a gagné remettre l'argent, m'a gagné ça, yo. Qu'on a, j'entends dire, la Chine va envahir. Qui est-ce que la Chine va envahir militairement? Parce que, il y a tant d'Américains sous terrain, qui mettent la paix, qui mettent dialogue, on a la Chine. Quand la Chine va l'obliger dans une situation, que des négociations va le faire, négociations va le faire, pour rejoindre l'argent, quand la Chine va l'obliger, mon cher, m'obliger, effacer toute dette, nous dégainer envers, oui, c'est là, et puis, nous recommençons à zéro. Pas de parler en pile. Pour qui raison nous posons la guerre là? Bon, qui côté millionnaire va l'investir? Faut créer guerre pour craser, pour briser, pour reconstruire. Bon, si tout pays développé, comment on va faire reconstruire? Si tout pays développé, faut faire guerre, oui, pour craser. Si on va craser, comment on va faire investir, comment on va faire reconstruire? En pile haïtien, propose, oui, il a parlé de la paix, c'est là. Donc, par contre, comment le monde l'a gouverné? Ou bon pour créer toujours une guerre. Faut toujours une guerre pour moun mourir, pour diminuer, pour contrôler la population mondiale. Deux, faut une guerre aussi pour capable craser et pour permettre à ce que yo et capitalistes réinvesti l'argent reconstruit. Il y a même déjà avec le plan Marshall. Et ça craser et puis prêter l'argent pour reconstruire.
on l'autre groupe vient le craser, il prête l'argent, il veut le construire. C'est comme ça, Gemmey. Donc, Gemmey, ils ont une industrie, plus gros forme économique qui organise la guerre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Plus gros forme économique qui organise dans le monde, là, depuis les modèles mondiaux, c'est la guerre. Et ma production, non? Et la guerre. Et depuis la guerre, il y a production. Depuis qu'il y a la guerre, après production, ils ignorent le travail, ils ont joué. Tout le monde a travaillé. Gogozé. Moun gwal mou. Et gen moun y va comprendre, c'est un business qui est là. Quand y a nous pensé américain, américain qui a un problème, il craint craser. Bon, il y a objectif là, ça. Craser, il craint plat. Et puis, pour y aller reconstruire. Et objectif là, ça. Ah, on a vu, oui, il craint de Lucien. Craser le plat. Et puis, j'entends dire, là, je finis craser, je quitte Poutine craser, il craint plat. Jusqu'à ce que Poutine rende ni compte, il pas qu'à gagner une guerre, il craint. Il pas en guerre pour gagner. Pas qu'il caca comme ça. Pas qu'il gagne la guerre en Ukraine. Ça va exister. Si on moun pense que ça va passer en Ukraine, non, pas qu'il gagne la donne, c'est pas le moun fou. Pas qu'il question de gagner la guerre en Ukraine, ou pas capable. Pas de logique, ça. Son temps, son zone de tension n'y est. Son zone, y'a mette là, pour y'a qu'il Poutine busy. Calme tension, poser, bataille. Y'a la go, y'a la go avec un petit voisin, bataille, bataille, chaque jour. Chaque jour. Et puis chaque jour, t'entends US Capitol, ou t'entends Congrès américain, voter 6 milliards de dollars additionnels pour supporter l'Ukraine. Et gogozé. 6 milliards de dollars pour supporter l'Ukraine, d'après nous-mêmes. Qui est-ce qui va comprendre game, non? 6 milliards de dollars pour supporter l'Ukraine, qui ça le parle? Nous connaissons les âmes américains, t'es gay, anciens âmes, t'es gay, les Trump t'es monté. Trump s'est modernisé, t'as le modernisé, les âmes, ni oui. C'est modernisé, Trump t'as le modernisé, l'armée américaine. Émission, ça, Trump t'es gay, moderniser l'armée américaine. Les Trump fin modernisé l'armée américaine, pendant 4 ans. Ancien Zamio, qui est-ce qui va le vendre? Côté Américain va le vendre. Côté Américain va le vendre. L'attendez, on dit, oui, recueillez 1 milliard de dollars additionnels pour nous supporter, Ukraine. Qui Zam, vous avez pas Ukraine? Vous avez pas Ukraine, dernier green Zam, Américain inventé. Vous avez ancien Zamio, à pas le Ukraine, à supporter Ukraine là. Ah, dans le monde fou. Il a fait bas tête chaud. Pendant Poutine a paré de gros tête, il montre gros âmes, gros ceci, gros ceci. Américain tête frette. Ouais, Américain dans démonstration. Vous avez retourné, ouais, ou effondré, brou, retourné, tendon, on tremblement de tête par des brou, et vous t'endotez l'homme à l'envoi. Eh ben, il va politique, en fait. Soit jouer, attendez. Comme si pour Américain, comme si pour, mais nous sommes, comme si pour, face avec, face avec Ukraine, pour Poutine, qui t'a montré Satan. Poutine fou, il y a des avouguins, ou pas de quitter mon gonne, non? Comme si pour, Poutine, qui t'a tellement paix, tellement freak out, pour qu'il t'a montré Satan, montré technologie, il y a t'en fait. Bah, il m'a fou, oui. M'a regardé au dal nek, m'a dit, oui, gosse si, gosse là, gosse espèce, m'a dit, mais, peut-être, n'est-ce pas clair? Yon, n'est-ce pas, Poutine, une équation, Poutine, qui est allé tout arsenal, zam, n'est-ce pas, hein? Qui t'a montré, mais, Satan, supersonique, missile, ceci, et puis, Américain, m'a regardé. Ah, ok. Missile, supersonique, ceci, c'est là, yon t'a appris, qu'il t'a gagné, bon, qu'on y a, yon confirmé, on dit, bon, yon confirmé, lui. Et voilà, game, non, yon. Oh, tout le monde, Poutine qui Satan 1, Poutine qui Satan 2. Nous avons Satan, mais nous avons Satan, mais il y a des technologies qui gagnent, qui ont fait démonstration. Et bien, il y a des gens fous. Pourquoi ils ont fait démonstration? Il y a petit Dieu, il y a analysé, il y a regardé capacité, il y a regardé qui l'ont arrivé. Absurde. Quand il y a Poutine, il craint qu'il va avoir un grand missile nucléaire. Il craint qu'il va avoir un grand missile nucléaire. Pour Ukraine qui t'a mette Poutine dans position pour Poutine a fait démonstration
gros âme balistique, c'est ceci là. Ouais, caca. Ouais, n'a qui caca nous. Ouais, n'a qui la caca, la gueule. Là, il a dit, ah, le négo, oui. Guerre, on dit, nous, ça, on met là. Bon, t'aimes, dis-nous, t'y question. Combien de temps guerre, guerre, là? Si nous, faut, vous, dis-nous, combien de temps, combien de mois guerre, combien de mois guerre, guerre, là? Si nous, faut. Combien de mois guerre, guerre? Dans la deuxième guerre mondiale, pas de monde qui te connaît américain qui a des armes nucléaires, non? Qui a des bombes nucléaires, non? Et qu'on l'a gagné sous Japon, et puis tout le monde dit, oh, caca, oui. Tu vois comme ça? Toutes les Américains t'as bataille. Toutes les Américains t'as bataille contre en Europe. Pas de un pays qui te connaît américain qui a des armes nucléaires, non? Un pays en Europe, il a tiré, coup de capuche, coup de zame, et caca. Américain en déclaré deux, le premier, Hiroshima, biou, il a gagné deuxième, Nagasaki, bou, et puis surtout, il a la guerre finie. Il a fait démonstration, il a fait défilé de mode. Il a fait défilé de mode. Il a fait défilé de mode, il a dit qu'il a nucléaire, c'est retourné tout le temps de bim, biou, biou. Et puis la guerre finie, pas l'an, puis la pas fini, tout le monde fini, bria, pas l'an quoi, tout pas l'an, puis fini, tout bri fini net. La guerre a commencé en février. En février. Février 2023, pour faire Poutine un an, depuis la bataille. Février 2023, pour le faire Poutine, un an, depuis Poutine a bataille, avec ti Ukraine. Gen yon patnèm qui te dit comme ça, oh, Ukraine, son petit pays, Ukraine, pour le finir comme ça. Et à Ukraine, et à Ukraine, Poutine a bataille. Dans le monde fou. Ah, on a, hein, oui, Ukraine, pour le prendre sa guerre, Zelensky, pour le prendre sa guerre, gade. Mais c'est en Europe, là. Moi, je suis en Europe récemment. Mal en Suisse. Je suis en Europe. Je suis en France. Mal en Suisse. Mal en Allemagne. Regardez. Nous ne vivons que coup pas de guerre en Europe, non? Et comme si l'Ukraine pas, j'aime pas même exister, non? Et quoi, c'est, oui? Mal en Europe. Pendant une guerre là. Je suis en France. En Suisse. Mal en Allemagne. Tout le monde a bien roulé. Oh! Mes amis, pas de problème manger. Pas de problème gaz. Et on va pas le prendre en courrier. Et, on a ici, c'est bête qui aime faire hystéra. Oui! La France qui est en pas de manger. La France pas de blé. Et, on va prendre en courrier. Et, yo confond. Son nation. Qui toujours confond émotion yo feelings yo pour connaissance dans le bluffé après nous on dans caca comme ça nous dans caca pendant n'a parlé Abinader là n'a parlé Abinader là nous audacieux nous pensons que c'est Abinader le problème ici c'est risé nous toi risé nous pensons que c'est Abinader qui problème Haïti qu'on y a là on est que comme yo n'a que koum. Nous pensons qu'on va quitter moun pram. Moun pram pour le mener, pour le faire comprendre que c'est République Dominicaine qui est problème. Problème Haïti. République Dominicaine. Dans le monde fou. Je vais expliquer nous bien pour nous comprendre. République Dominicaine, à aucun moment, pas envahi Haïti. À aucun moment, pas envahi Haïti. Mais montrez-nous. On peut analyser avec nous. Un, République Dominicaine va jamais envahir Haïti. Deux, nous occupons République Dominicaine, nous occupons zone ça pendant 22 ans. Attendez. Qui est-ce qui envahit Haïti?
États-Unis. République dominicaine, pas que mette nous dans l'esclavage, pas dans le déye. Si nous devons être grenés juste en Afrique. Vous mettez nous dans l'esclavage. Qui est-ce qui est dans le déye? Si nous devons être grenés en Afrique. Vous mettez nous dans l'esclavage. Et pas République dominicaine. Et pas Louis Abinader. Pas nous. Nous même si nous devons être grenés, nous pas jamais connaître vraiment, vrai ennemi nous. Nous dans le bloc fait nous y est. Eh ben, c'est pas face à la République Dominicaine, nous devons indépendance, non. C'est pas la République Dominicaine qui t'a implanté système colonialiste, ni système esclavagiste. C'est pas la République Dominicaine, dessaline tes batailles pour te prendre indépendance. Vous comptez combien de fois, nous essayons d'envahir la République Dominicaine? Un, dessaline essaye. Donc, de, un, tout simple. Deux, Dessalines, en deuxième fois. Ok? Trois, Boyer réussi. Quatre, et Riviera. Cinq, Soulouk. Cinq fois. Nous essayons d'envahir la République Dominicaine. Une fois nous réussi. Quatre autres fois, nous allons réussir. N'attendez. Maintenant, qui raison? C'est parce que nous t'es paix, l'Occident. Tout les n'a pas envahi, n'a pas essayé d'envahir la République Dominicaine. C'est parce que nous t'es paix la France, nous t'es paix l'Europe, nous t'es paix l'Union Européenne, nous t'es paix l'Allemagne, nous t'es paix pays. C'est l'Occident, nous t'es paix, oui, qui fait nous t'es qu'on a toujours envahi la République Dominicaine. Et bien, la République Dominicaine, nous t'es paix. Et la République Dominicaine, nous devons. Haïti, t'es toujours positionné par rapport à l'Occident. Haïti, pas de t'es positionné par rapport avec la République Dominicaine. Je ne peux pas comprendre. Je dis, pour tout le monde, a fait bri, pour quitter l'Occident, à partir et attention, nous, sur la République Dominicaine. Ouais, moi-même, moi, dis-nous ça déjà. Toute la littérature haïtienne construit toute l'histoire d'Haïti. Construit par rapport à l'Occident. C'est pas par rapport à la République Dominicaine. Nous pas de indépendance, nous pas de première République noire par rapport à la République Dominicaine. C'est par rapport avec l'Occident, le système colonialiste esclavagiste que nous t'es première République noire. Ma ka comprendre une aujourd'hui, pour nous quitter jouet ça, yon moun ap mené nous à tirer attention nous sur la République Dominicaine. La République Dominicaine, beaucoup, ka, n'a problème de nous. La République Dominicaine, beaucoup, même ABC, n'a problème de nous. Maintenant, regardez, pour nous, on bagaye. C'est en bas nous, c'est en bas griffe nous, République Dominicaine pour l'indépendance en 1804, en 1844. C'est en bas griffe nous, République Dominicaine pour l'indépendance en 1844. Yeah, sous pas comme ça. Deuxième bagaille, ou pas prêter attention. République Dominicaine subit, même bien nous subit, de l'Occident. Occupation américaine, même genre. Même bagarre, la même situation. Yo, juste un réflexe qui est différent. Avantage République Dominicaine gagne sous nous, c'est que République Dominicaine prend indépendance li, par rapport avec nous-mêmes. La France t'aide d'elle parce que y a des problèmes avec Haïti. Parce que les Européens, l'Europe t'aide des problèmes avec Haïti. L'Occident a des problèmes à Haïti. Mais je ne l'ai pas dit, pour un monde, vous faire me comprendre, c'est la République Dominicaine qui problème Haïti. Nous méchants pile! Quand on va penser, on n'est qu'un coum, qui a un minimum de connaissances, on dit bon Dieu merci vous ça. Vous pensez qu'on va retirer zième souverain mi-pays qui sont l'Occident, et puis pour venir mettre, c'est la République Dominicaine qui met Haïti comme ça. Non, mais allez faire l'histoire. Allez faire l'histoire. C'est la République Dominicaine qui te mette Matéli. Mais la République Dominicaine qui te mette gang nous de ouéle Matéli. Gang nous de ouéle Préval. N'est ça aux politiciens nous. C'est la République Dominicaine qui mette yo. Ou bien Onko Sam, ou bien la France. T'en mette, pose une question. Les la bataille contre quoi groupe?
Al checker pour si République Dominicaine fait partie de corps groupe. Les nabre l'homme, oui, corps groupe, qui mettait tel corps groupe, qui mettait tel corps groupe, barré pays, y'a corps groupe, et bien, al gade pour nous si République Dominicaine dans corps groupe. Quand y'a pour moun vini, ou voulez faire me comprendre, c'est République Dominicaine qui problème, moi. C'est nous qui problème pour République Dominicaine. Nous méchants, nous pas voulons ça. Et nous qui problème pour République Dominicaine. Oh, comment nous faisons problème pour République Dominicaine? Un, c'est blanc occident qui mettait chef pour. Il prend gang, il met des chefs. Li prend gang, li met des chefs fous. Ou même, ou après les vivre, ou après les abat gang comme chef. Qu'on y a ou saisi. Pour Lambert Campbell, il joue 25 ans depuis la travail avec l'Occident. Mais ou après les vivre Lambert. Ou abat bravo pour Lambert. Lambert a fait travail. Lambert a fait travail. Mais c'est qu'est-ce que vous ça m'a dit là? Là, il nous bluffe en pile. C'est bluff, c'est trop bluff, nous bail tête, nous, qui faut nous dans caca, nous y est là. T'aimes dire nous bien, tout leader nous y en Haïti, c'est la République Dominicaine. C'est pas la République Dominicaine qui te met en bago, sous Aristide, sous pays, non? C'est pas la République Dominicaine qui t'écrase l'armée d'Haïti, non? C'est pas la République Dominicaine qui te met en Aristide tourné, non? C'est pas la République Dominicaine qui te voye Aristide aller, non? C'est pas la République Dominicaine qui te baille coup d'état. Nous, ouais, on est dans le pays, non? On a le monde fou. Mais oui, la République Dominicaine, on a le monde fou, nous, y est. T'as le C'est pas la République Dominicaine qui t'écrase, qui tue, qui détruit cochon, cochon et créole là, non? République Dominicaine. C'est pas la République Dominicaine qui écrase production du riz dans la Tibonite, non? C'est Louis Abinader qui t'a le plaigné, qui t'a le crié dans le congrès américain pour m'en débarrasser. C'est Clinton, nous, tellement débarrasser. Et pas la République Dominicaine, non? Qu'a exploité mine, l'eau, nous guérons battre pays d'Haïti. Et pas la République Dominicaine, non? Là, le monde fou. Et puis, un République Dominicaine qui mettait nous dans la misère, ça. On l'a fait, nous, hier, on est dans le pays, ça. Un, tellement beaucoup. C'est la République Dominicaine qui fait la couille quitter le pays, nous, pour la République Dominicaine. C'est la République Dominicaine qui mettait gang dans le pays, ya. C'est la République Dominicaine qui mettait instabilité politique dans le pays, ya. Qui fait la couille quitter le pays, ya, pour aller à l'envahir la République Dominicaine. Et la République Dominicaine, n'a pas qu'on juge, n'a pas quitté audacieux, n'a pas quitté recherche, n'a pas quitté mesdames. Nous audacieux trop. Tellement, l'argent pétro-caribé, 4 combien milliards de dollars là, c'est République Dominicaine qui fait nègre crasel. Non, ok. Même mon petit jus. Nous pensons que nous avons détourné attention. Non. Nous n'avons pas détourné attention. Personne n'a détourné attention. Nous allons dire nos secrets. Nous allons dire nos secrets. Il y a une grosse réserve sous Claude Joseph. Il y a une grosse réserve sous Claude Joseph. Il y a un pays où le premier ministre et le président assassiné. Pardon, le premier ministre. Boum. Où vient le premier ministre. Où dit tout le bagage sous contrôle. Pendant que tout le bagage sous contrôle, c'est petit. Ou retirer quoi? Blanc, faut retirer quoi?
blanc bon garanti, il faut retirer quoi. Ou retirer quoi. Ou fin retirer quoi, ou former parti politique. Attendez-vous. Automatiquement, ou les vont zimbi ou avec Abinadel. M'absurde. Américains ont déporté haïtiens. En bas compte exemple haïtien, ou ayant un mot. Con. Haïtien y a problème, ou monte sur Abinadel. M'a dit, m'a suivre. Nationaliste, nationaliste, good. Mais, m'a suivre toujours. D'un coup, d'un coup, y'a commencé à préparer le terrain. Y'a target Yuri, la droite. Y'a target sanctionnant Mouda Yuri, sanctionnant Mouda Lambert, tout n'est qui potentiel. Sanction dans Mouda Matéli, sanction dans Mouda Lamotte. C'est comme si y a nettoyé le terrain. Et puis, y a monté le sentiment nationaliste avec vous. Y a exploité. Y a faut exploiter terrain Abinader, Saint-Domingue. Et puis, t'en aimes bien, oui. Il va jamais parler. Les États-Unis, par exemple, pendant ce temps-là, vendent nous Abinader comme bête noire. Et puis, il y a plein d'Américains qui nettoient les terrains. Et puis, Jovenel Moïse, j'aime qu'il y ait une justice. Et quoi, c'est lui? Les finis, président. Les finis. Ils ont assassiné président pendant le premier ministre. Et puis, il vient en discours, la baille président en justice. Tout le monde croit. Pip, justice pour Jovenel, justice pour Jovenel. Et puis, il construit popularité derrière ça. Il jouait sous émotion peuple là. Ok? Tout le monde qui était derrière, construit, Jovenel, qui besoin justice pour Jovenel. Et puis, tout le monde marchait derrière. Oh, petit clôt, pas le banjo, oh, petit clôt, tu m'as dit. M'absurde! Ah, c'est son game dit là. M'absurde. Oh, l'écrit dans l'OEA, écrit dans l'ONI, oh, oui, pas de justice. Boum. Yo ballon ba pau yo fait l'écrit ya yo consume c'est plus toujours avec ces éléments turquien yo été arrêté bagay pour te venir m'suive même do oui tout le monde li va ba nous justice pour Jovenel nèg la guerre y a fait route pour lui ou même m'a dire justice côté Jovenel va dire justice dans qui l'est avec qui bon qui côté va passer qui route dans qui route à la justice pour Jovenel bon pas même te arrêter premier ministre. Et vous parlez de justice. Et bien, puis imbécile qui croit, oui, justice vous aidez. Non, il a préparé ou pour y mettre tout. Pour aller faire un job. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Maintenant, y a d'où choisi bataille pour y construire comme nationaliste. Y a vend nous Abinader. Abinader, ouh, gros, nous restons boum. Politique étrangère, politique migratoire, Abinader. Arrêtez, moun, bré, moun, allez, droit de l'homme, ceci, c'est la broum, frontière bloquée. Qui est-ce qui profite? Qui est-ce qui profite? Qui Claude? Il y a plavé ou, il y a construit ou, il y a préparé ou, par le peuple là. Mais, posez-moi une question. Qui est-ce qui a préparé une misère comme ça? Ça va m'intéresser, non? Qui est-ce qui a préparé, monsieur comme ça? Nous, on a nouveau, c'est cette poule, même là, avec nous, mal bat bravo. Toi et tête pour le même avec nous, y'a malgré les vies, mal bat bravo, mal fou et tête, moi, je suis là. Et vrai? Qui la boit à toi? Cap travail, monsieur, comme ça. Qui la boit à toi? Yo met sanction! Sous Matéli. Yo met sanction! Sous la mode. Ou à dire un mot.
ou ta dit son bel bagay. Ou pas dit un merde. Ou pas dit un mot. J'aurais mes tweets. Ou tant de Jean Matéli, la motte, yu ri, yu krasé la Jean Petrocat. Ça pas intéressé ou. En tant qu'on est qui te voit ministre. Ou fait ça. That's the thing. Eh, qui pense comme si j'ai un problème avec les gars. Non. M'a tête poule, m'a tête vent. Et puis, c'est comme ça, tout. Bah, égale, m'a tête poule. Nèg, moun pa mène, m'gon ça, moi-même. Dans le monde fou, nous-mêmes, les gars, nous y est, il est vivre, il est faire caca. Et comme ça, petit, là, t'es vent. Et comme ça, américain, t'es vent. Nous, il est pas connaissé, comme ça, américain, t'es vent Duvalier. Tu me racontes nous l'histoire Duvalier pour moun qui pa konnen. Duvalier était dans mouvement noiris. Les griots. Duvalier je nous bousse. Américain ba Duvalier on bousse pour aller étudier Michigan. Médecine. Les Américains tournés. Les Duvalier tournés. Américain ba Duvalier en mission. Duvalier commençait avec un programme à retirer pied dans pied paysan. Américain, où t'as travaillé ça, t'as préparé Duvalier. On va comme ça. Élection faite en 56, Duvalier monté en 57. C'est Américain, qui t'a préparé Duvalier. Qui t'a baillé peuple à Duvalier. Mais là, ça, tout peuple là, t'as pris les vives doc, là, vives papa doc. Vive papa doc. Jusqu'à ce que, yo vin rendre yo compte, que c'est travail américain, avec mission, américain Duvalier t'a fait. Qui mission? Maîtriser Milat yo, renforcer Siro Libanais yo, et puis combattre communistes, en dénabia. Et les jobs américains, yo t'a fait. Nous battons ça? Un monde fou. Puis devant ouais. Puis devant, n'a comprendre. Puis devant n'a comprendre. Même dit nous allons ces jours, hein, suivez-vous. En garde pour nous. Vous comprenez pour qui raison? Si petit tabac j'aime chef, et Zé Emile pape j'aime chef, et Zé Emile pape j'aime président de dans le pays d'Haïti, pape j'aime chef en dans le pays d'Haïti, parce que et Zé Emile étudie au Japon. Et Zé Emile al bay au Japon. Il n'est pas plus chef. Ou alors, pas maîtriser géopolitique Haïti? Est-ce que nous avons pour qui raison? Et les moyens pour fils, mais il n'est pas plus chef en dedans d'Haïti. Même les dames ambition. Parce que l'étudier au Canada, il s'est docté. Au Canada. L'exécutif appartenu avec les États-Unis. C'est deux pays qui toujours à bataille. Deux pays qui toujours à bataille pour qu'ils contrôlent l'exécutif en dedans pays d'Haïti. C'est la France avec les États-Unis. Ça aurait les exécutifs là. C'est la France avec les États-Unis. Et depuis c'est un président né qui t'a étudié en Europe, en France, Belgique, la France a battu pour le camper derrière pour le soutenir. Depuis né qui étudie aux États-Unis camper derrière pour le soutenir. Et gogo de Abdoulaye. Mais faut qu'on ait quand on la voit là, et nous tellement rusés,
Nous ne pouvons pas comprendre. Eh bien, elle propose. Nous ne pouvons pas comprendre, propose Rizé qui fait nous là, nous dans l'état ça. Nous nous autoriser, nous mettre dans maman. Mais Lionel Benzi de dit Claude fois président. Good. Ou pensez ça va le déranger? Ça va le déranger? Si n'est pas le président. Ou pensez que si moi même qui a empêché n'est pas le président? Non. Non, problème qui a pas le gagné. Après, on paquet n'est pas dit. Il y a qui dit que ça. Mon cher, je rejoins n'est pas là. Comment je rejoins n'est comme moi, je n'y ai. N'a qu'il y a pour bataille pour aider pays. Qui paye? Qui paye? Elle est fou. Nous va qu'on kenny de Haïti. Nous va qu'on kenny de Haïti. Nous besoin sauver. N'a pas de temps de sauver toujours. N'a pas de juge. Il a fabriqué sauver Barou. Comment faire pour pas fabriquer sur le baroua? Il va sauver nos besoins. Il y a fabriqué au Messie pour. Et nous aimons Messie. Le messianisme politique. Il y a fabriqué au, nous aimons ça nos besoins. Mais il y a bien dit, oui, je n'ai qui ça. Qui plan? Qui gagne? Nous, j'aime bien des titres de parler de plan. De projet. Il y a un monde fou qui projet, qui plan. Qui plan? Qui plan le pour vivre des systèmes après? Mon système n'a éjecté, il veut le vivre de la terre. Mon système n'a vivre de la terre, il veut le vivre des systèmes de la terre. Comment on l'a fait? Il y a un monde fou. Un président mourit, bon côté. Pardon là, et vous va le changer. Qui ça va le changer là? Qui ça va le changer? Bon, même là, bon, en honnête, qui ça va le changer? Quand nous n'en bagay vivre ça, toujours. Nous n'en relè vivre, il y a pas toujours. Nous quoi n'en bagay ça? À la caca ici. Eh, dans le monde fou. Si nous mettons un Messie, il n'y a pas de Messie, parce que c'est comme ça pour diriger le peuple. Faut faire le quoi, non, mon gars, mettez le dehors, pas le bal de délivrance. Système n'est bon, non, ça. Vendons Messie matin, midi, soir. Rélez, vivre, rélez, abat. Jusqu'à ce qu'on rend nous compte. C'est dans 4 ans, sous 40 nous compte. Sous 40 nous compte de ça. Moi-même, y'en a un bagage de gué qui fait toujours. Mais c'est toujours, y'a toujours bonne raison. Les missiles à rentrer, monsieur, les ministres de nos accueils, les voiles servis pays, nous devons servir pays où? On la voit servir les voiles servis pays où? Nous devons servir pays où? On va servir l'État. Nous devons servir l'État. Aïe! On va servir l'État. Depuis les amours ont une faiblesse dans la compréhension du pays d'Haïti. N'est-ce pas une solution surface dans le pays pour le pays d'Haïti? Ça fait nous toujours été dans le caca nous là. Nous avons une solution surface. Nous avons une bluffe nous. Pour nous avoir une solution dans le téléphone, nous disons que nous avons une solution pour servir le pays. De qui pays? Nous disons que nous avons servir l'État. Aïe, ne l'a pas même comprendre que l'État, ça va bon, l'île Brazzaville. Déjà, oui, monsieur. Je dis, shit, cacaoué. Cacaoué. Je dis, good luck. Je dis, good luck. Aïe, t'y nomme d'avance, c'est le plus intelligent parce que, t'y nomme de maintenant, ma l'île, le plus intelligent parce que Aristide. Dis-moi, c'est le compte libre, c'est Aristide. Dis-moi, c'est le compte libre, parce que comment il est là. Non, pas celle qu'on lit, parce que Maniga. Maniga pote sous, bon, Maniga pote sous, bourré sous système, le système de vie de Maniga, t'es deux pas.
le système. Il fout les têtes deux pattes. Aristide porte sous bourré sous système dans deux fois. Système dans vide la tête deux pattes. Nous pas apprendre, nous pas learn. Ça va dire nous pas réfléchir sur ça. Ça fait négio échouer. Ça va pousser pour comprendre. Et vous dites, vous parlez, vous parlez, pour tes toiles, les guibons. Jovenel vini, les bons sens nommés, ça a commencé vini sous tête, lui. Lui, il y a une dope avec 12 ou 13 cartouches dans le monde. Hein, nous, c'est nous, intelligents. Gon l'autre égaré, il y aurait les préval, qui pense le plus malin. Les ont imposé l'élection, résultat élection, là, les rangé col pour la faire caca. L'endop en batte. Et nous pas comprendre. Après, de nous comprendre. Préval, yo impose au président Bali, li fâché, là le départ, les caca, va chercher le connu au bagage. Il en batte. Jean-Claude, t'es bien propre en France, li pote bourré, va te voir une chef, côté lui. En batte. Vous êtes en France, vous êtes manger en France. Bonjour. Je mange, oui, à Haïti, bonjour. Mais de l'esprit, mon. Mais de l'esprit, mon. N'am con, Josh. Qu'on a dit. Y'en dit. Et pourquoi on est là? Gay, on y a des relais. Comment on dirait relais? Mais c'était étudié au Mexique. Mais c'était, Monsieur, c'est un nanné qui te fondé au PL, oui. Ah? Un nanné qui fondé, un nanné qui fondé au PL, oui. Ah? Regardez, j'aime bien, non, monsieur. Comme, madame, vous êtes les Suzy Castor. Comment, ah? Femme changer, non. Monsieur, entre en Haïti, tout. Ah? Cherchez le bagarre. Ah, dis-moi, non. C'est pas Paul Denis, non? C'est pas Paul Denis. Ah, nous, qui est-ce qui va parler? Nous, on madame, nous, Pierre. Et pas sauver Pierre Etienne, non? Gérard Pierre Charles. Gérard Pierre Charles. Gérard Pierre Charles entre en Haïti, vers la droite, il quitte le fond de temps. Les regards, les élections vont venir, on va chercher Gérard Pierre Charles, on va rajeunir. Gérard Pierre Charles, il est un fuck up longtemps. Gérard Pierre Charles Brepois, Jean-Claude Brepois, et vous pensez que vous allez vivre des systèmes dans la terre? Qui va changer dans le système? Vous allez vivre des systèmes dans la terre? Non, fou, t'es pas mal. Comment ça nous vit? Et comment vous vivez des systèmes dans la terre? Qui système? Non, faites commencer à miser. Même si t'as la map gade, nous. Allez, ma question, on doula, là. N'après ton lettre, n'après chita, n'ap dire les vivre, là, voilà. C'est la voilà, n'ap pas le dire, la voilà, tellement de guérison. Et n'ap vieux malin. Nous avons problème, nous avons problème la vérité, n'ap vieux malin. Nous sommes nation malin. Nous pensons nous malin parce que le monde. Nous coquins. Nous jouons tout civis. Quand y'a m'd'apparaît, m'd'avine d'où, ma président m'a changé pays, ou quoi? Ou quoi? M'a tellement quoi, comment j'ai les vivre, moi? Oui? M'd'avine comme ça, mon cher, m'a président pays d'Haïti, ma président, il m'a changé pays, ou quoi? Comme si vous pas apprenant rien de l'histoire pays d'Haïti, ou quoi? Ou pas comme ça au système, yé, ou pas comme l'État qui l'a, ou pas comprenant rien de géopolitique, ou pas comprenant rien en géostratégie, ou pas comprenant rien en PIA, ou pas comprenant rien en fonctionnement PIA, politique PIA, m'd'apparaître là, m'd'où mon chef, m'prends le président, m'a changé pays d'Haïti, si m'président, wap quoi, wap bat bravo, et wap prele vivre la wazi. M'tellement tête, tellement caca poule qui n'en tête, m'tellement zé crabe. C'est zé crabe qui n'en tête, nous.
M'davine nan figi nou la, m'di moi-même, voter, m'mette m'président, et puis m'a changé condition, nous n'a pas eu. Gon pile tête caca, tête cana, tête crame, comme quoi. M'barrête là avec bon petit parole douce, dans zore, nous m'di m'bral changer, m'bral mettre l'hôpital, m'bral mettre route, m'bral, lancer l'agriculture, m'bral changer système, nan, nous m'bral gen bon l'école, bon ceci, bon cela, m'bral mettre développement économique, nan, pile caca, cap quoi. Y'a pile caca pour le tête crabe, cap quoi, cap les vivre, cap les sûr, cap dit bon, bon président, la voici, bon président. Ou alors, photo, nan, tout côté, gros chaise, gros ceci, drapeau haïtien, des dômes, là-haut, seul chef comme président. D'après, et vous pensez, vous, ou pas, j'en ai. A qui ça, m'y a baguette magique, nan, moudame. Nous, par contre, ça, on système, bien. Hein, nous, par contre, ça, on système, bien. Ou par contre, on a qui, combien, moun, m'y a pas le deal? T'as m'expliqué, nous, bien. Lors d'où vient le président, dans tête, l'état, vétion, besoin de changer, condition. Ou par contre, on a combien, moun, m'y a le deal? Combien, on va vous parler d'un système. Il y a premier niveau à Boundi Lavel, qui c'est l'Occident. Il y a deuxième niveau à Boundi Lavel, qui c'est Milati au Libanais. Il y a troisième niveau à Boundi Lavel, qui c'est zombie aliéné classe moyenne. Et puis, petit peuple là, qui sont pas jeunes d'abord même? Dans le monde fou. Comme si nous tellement malins. Jovenel Monté, président. Les dit, ouais, chez ça, on dit que nous, chitala, monsieur le président, signez ça, Jovenel t'es sous, les gens disent ça. Les gens m'ont dit, système, n'a cette tête. Là-dedans, Jovenel t'es boué, Jovenel t'es sous cocaïne, Jovenel t'es fait fumer cocaïne. Hein? Poco, si Claude, tu crois pas qu'on est Jovenel TOF coulève cette tête là? Eh ben, tu crois qu'on est Jovenel TOF coulève cette tête là? Tu crois qu'on est les médias chita ou des médias là? Bon, finalement, qui plante Ticlot Gué pour coulève cette tête là? Tu crois pas, nous allons demander Ticlot qui plante Gué pour le couper tête, coulève cette tête, pour le tuer, coulève cette tête ça, qui mange Jovenel là? Et coulève cette tête là, mange Jovenel. Bon, finalement, quand y a coulève cette tête, ça mange Jojo, hein, parce que je dis Jojo, chita, Jojo va me chita, je dis Jojo, m'dou chita, Jojo va me chita, je dis Jojo, chita, si et ça, Jojo a fait caca, coulève l'a dit, Jojo m'dou chita, si et ça, Jojo dit, moi, un président, et peuple qui t'élime, je dis Jojo, chita, l'odou, je dis, caca, pas le, même c'est Pep qui est libre. Je dis, Jo, pour la dernière fois, chita, signez ça. Oh, c'est démocratie. Pep la élu. Pep la deuxième président. Et je dis, Jo, chita, signez ça. Je dis, bon. Comme monsieur va comprendre, je fous Jo 12 cartouches dans le monde de la galère. Je dis, Jo, chita, la chita. Hein, coulève cette tête à dit, je chita avant le chita. Yo dit, je, quand il l'a fait caca, yo fout, je 12 cartouches, dans mon dal, à dans la galle. Lionel, même dit, je dis, Claude will kill it, when he become president. Good. Ma bédel, tire. Lionel Benzino, Babedel, oh, gala pose Babedel, si Ticlot sérieux, Babedel, Ticlot. Bon, ouais, mais mon vieux manchette, ma chèque, vous mettez le coup de tête coulève là, parce que. Garonas, je veux dire. Mais mon vieux manchette m'a filé pour aller de le couvrir tête coulée. Attendez, le président relève. Regardez, l'article du président relève.
Et puis, ma finale avec mon vieux, monsieur, regardez. Bon, qui est-ce qui compte côté VIP, VIP, Pierre Adé? Pierre Adé, mon vieux, PLT, l'idée coupé Zoé et Marcus. Ma chercher VIP, ça, ma vieux, ni quand même. Ma vieux, VIP, Pierre Adé, pour m'aider, aider, t'y compte, couper tête coulée. Va mourir. Quand y a Lionel, Lionel Belzizo, fait figure bien dit, ou quoi Claude Boaldi est coulé. T'aimes de petits bagailles. T'aimes de petits bagailles, camarade. Lionel. Même de petits bagailles, Lionel. Yo, tiens, Jovenel. Si Claude paraît, il dit, voilà, Jovenel, justice. C'est rétoré, si Claude, à propos de primatia, vous la, faites pas valise, dit, si bah, il vous la lève. Problème nous qui est. Regardez. Coulève la fin de manger, Jovenel. Et puis, Ticlode monte, Ticlode dit, m'bral ma justice. Et puis, coulève la barre de bord côté Ticlode. Ticlode, coulève la dit, Ticlode, aussi, m'bral ma justice. Coulève cette tête la barre de bord côté Ticlode, dit, regardez. Aussi. Ou chida sous deux mots de m'bral ma justice. Aussi, m'bral ma justice. Qui justice, m'bral ma justice. Tu l'as dit oui! Moi, la justice! Moi, la jeune de justice! Koulev l'a dit, ah! Y'a-t-il un corps sous dôme? Pas de caca! Pas de caca! Y'a t Koulev l'a secoué comme ça! Y'a dit, y'a-t-il un corps sous dôme? Ticlode t'es chita là! Ticlode glissé là! Bon, Ticlode t'es chita là en tant que. Premier ministre, intérim, Ticlode Bissé, Ticlode tombé dans le ministre Affaires étrangères. Coulève la capsule, quoi, comme ça. Coulève la dit, non, ça a adoté. Coulève la, ah, c'est pas le palais de justice. Coulève la poussée, Bissé, brrrr, il a dit l'enquête. Il dit, allez, oh, retenez dans le bagaille, relations internationales, bagaille. Monsieur Bédé, coulève la dit Ticlode. Ah, ou radote trop. Eh, tu ou radote trop. Qu'on a ou bagay, ou voye monsieur Ali. Boum! Ou voye Ali. Ouais, faut qu'il monte bagay pour exister. On y a vieux camarade là, la gueule, qu'on a binade pour exister. Et oui, ça, ça doit dire là tout. Qu'on y a là, il met ton petit, on va y aller aider. Faut aller aider Ticlode. Allez, Ticlode besoin aide. Moi, c'est le bagage m'a regardé. Moi, dis-nous, ma gueule, je dis. Le jour. Ndawe, Ticlode président. Il change le pays d'Haïti. Ou bien change les conditions, non? Ou bien l'améliorer les conditions de vie, nous. Si tu es ta président, moi-même, ma jambe balle dans la politique haïtienne, moi-même. T'avais dit, c'est mon team d'abbaye, elle m'a parlé des systèmes, elle m'a parlé de l'état pétionniste, c'est mon team d'abbaye. Si nous d'avons dit, Claude, rivé président, il change le pays d'Haïti, il change les conditions, il met route, il met l'école, il fait chemin, il fait, il aide nous, il met le pays à sous le droit de développement. Connaissez au moins terme de. Des fois, on ne doit jamais parler de la politique pays d'Haïti quand même. C'est qu'on lit. Mes chers amis, c'est ton plaisir de avec nous. C'est ton plaisir de avec nous. Moi, mais nous, on pile. Pas découragé. Moi, c'est le bagage, je suis là, 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 je su
comme moi connais nous bon côté nous aller m'a prétendre nous m'a regarder kembe là pas découragé un seul bagage m'a dit nous pour me terminer l'ennemi pays d'Haïti par République Dominicaine l'ennemi pays d'Haïti si nous connais l'ennemi pays d'Haïti écrit en bas ou même dit nous ça encore après dit nous n'importe monde qui t'a vienne dit nous l'ennemi pays d'Haïti c'est République Dominicaine on va bêtise la passe vrai ennemi pays d'Haïti nous connais vrai ennemi pays d'Haïti nous connais et bah essayez ma banou là et si on mounda d'où République Dominicaine c'est ennemi pays d'Haïti cher on a vrai ennemi nous connais assez bon après-midi. C'est un plaisir de vous avoir. Ciao.